Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour Horizon Forbidden West pour l'épisode 29, comme d'habitude 4K, 60 FPS, toi-même tu saches. Et on était parti pour une quête secondaire qui se trouve à 120 pas d'ici, soit un petit peu moins de 120 mètres. Allez, on arrondit à 120 mètres parce que vous êtes cool et vous êtes très mignon et très sympa. Et surtout, vous êtes extrêmement beau, sachez-le. Les beaux temps arrivent, mais il n'y a pas que les beaux temps qui arrivent, il y a aussi vous. Et ça, c'est très très beau. Tout est beau finalement hein, dans cette vidéo. Allez, on est parti, on a save comme il se doit. On prend des sacrées branches, on va passer par ici, on plane pour pas mouiller ses petits pieds, si évidemment. Ces marqueurs, les preuves d'escalade dont m'a parlé Jekka ne doivent pas être loin. Je devrais m'assurer que son frère va bien. L'épreuve d'escalade, sûrement par ici. Ah, allez, on va aller checker là-haut, voir que tout va bien, évidemment. Quoi? Je suis fou, j'ai entendu des bails. I don't know. Est-ce que je suis fou? On doit pouvoir en tirer une couleur vive. Est-ce que tout le monde est là? C'est Ena qui a l'air blessée. Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il, les bichets? C'est personne qui commande. Je devrais lui parler. Briseuse de mur. Si tu es venue assister au voyage des 10, tu vas être déçue. En fait, je suis à la recherche d'un garçon du nom de Pento. Pento. Ce pauvre bougre était déjà moribond avant le début de la tempête. Tu dépasses les bornes, soldat. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le gamin que tu cherches est resté sur la montagne, avec deux autres jeunes. Pento a été le seul à ne pas suivre la tradition en grimpant sans partenaire. Ses chances sont faibles. Navré de le dire, mais ce n'est pas dû qu'à la tempête. Ça a beau être un ténac, il a toujours été à la ramasse. Et alors, vous n'allez rien faire du tout? Il faudrait appeler à l'aide. On ne trouverait personne dans cette tempête, même si on le voulait. C'est à la montagne de décider du sort de ces gamins. On reparlera de ça. Mais j'ai d'abord quelques questions. Pourquoi est-ce que tout le monde semble si sûr que Pento va échouer? Nous sommes un peuple guerrier. Nous valorisons l'agilité et la force. Pento n'a ni l'une, ni l'autre. Il se coltine les corvettes ménage depuis qu'il est enfant. Ah, et pourtant, il a voulu essayer seul l'épreuve la plus ardue de notre clan. Et tu penses que c'est une folie de sa part? Je n'aime pas beaucoup ce mot. Quand j'ai choisi de porter une armure de femme, on a aussi dit que c'était de la folie. J'imagine que Pento estime qu'il doit faire ses preuves, montrer qui il est en réalité. Je le comprends. Crois-moi, cette épreuve est suffisamment dure, même sans tempête. C'est quoi ce voyage, au juste? C'est une des pentes les plus raides du territoire du clan du ciel. On dit que les 10 ont gravi cette montagne deux par deux pendant leur guerre contre les machines. Les nôtres y vont deux par deux pour gagner leur titre de soldat, en suivant l'exemple des anciens pour récupérer la crête de sang. Une fleur qui pousse au sommet. Pento a rompu cette tradition, en insistant pour grimper seul. En fait, personne n'a voulu monter avec lui. J'ai tenté de le dissuader, mais aucune loi n'interdit d'y aller seul, alors je l'ai laissé faire. Ça me rappelle quelque chose. Les Nora ont un rituel similaire. Personne ne voulait de moi non plus. Tant pis pour eux, j'imagine. Oui. Je pourrais essayer de suivre la piste dans la montagne, pour voir si je trouve Pento. Tu as dit que deux autres grimpeurs manquaient à l'appel? Un seul? L'autre est juste là. Zika! Rocco et moi, on était en train de redescendre. Il y a eu une avalanche et on a été séparés. Je voyais plus rien du tout. Quelqu'un doit se rendre là-haut. On peut à peine voir ses pieds dans cette tempête. C'est pas un problème pour moi. Je reviendrai. T'es blessé? Si la tempête se fait trop forte, je peux toujours utiliser mon focus pour trouver ces grimpeurs. Je devrais suivre les marqueurs. Ils me mèneront au départ. Ok. Ok, 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 ok. Il faut suivre quoi? J'ai pas bien suivi, là, d'ailleurs. Il faut suivre ce qu'il y a au sol, c'est ça, les traces?
Allez, on suit. On suit sur un malentendu, ça peut le faire. Oh, des petites planques, ça j'aime bien. J'aime bien! Ça me plaît, ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a une petite plante ici. Un peu de blanche baie, évidemment. Oh! Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. Hop. Un collier antique. J'aime bien. Très bien, on continue. Ah, sac plein, transfert des réserve. Marqueurs. Je suis sur la bonne voie. Ok, ça c'est une pierre, on s'en branle. On dirait que quelqu'un est en train de se battre. Ça fait n'a qu'un besoin d'aide. Mais je crois. Wow, tu m'as... Il m'a envoyé un signe missile air. Ça c'est fort ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attends, je fouille ça, oh! On est où là, bande de fous? Une tresse de cristal. Énorme. Ouah, c'était chaud! Héros? Il y aura sûrement autre chose. Héros? Non. Non, pas de bug. Dis-moi juste que tu veux me parler à un endroit précis. Non. Ça va? Pas vraiment. Mais je survivrai. Ta partenaire d'escalade m'a dit que vous aviez été séparés lors d'une avalanche. Ma partenaire? Ouais. L'avalanche nous a eu par surprise. Emportés comme des brins d'herbe. J'étais sûr que c'était la fin. Mais quelqu'un m'a attrapé et m'a sorti de là. C'était Pento. Il a risqué sa vie pour moi. Tu as vu où il est allé? Sur la falaise, derrière toi. Il voulait vraiment finir l'épreuve. Je lui ai dit que c'était du suicide. Mais il m'a pas écouté. Tu vas pouvoir rentrer tout seul? Ouais. Tu comptes pas partir à sa recherche? Vite. Retourne voir Wekata avant que la tempête n'empire. Que les 10 veillent sur toi. Ok. Bon bah Pento, c'est le rêve. Ok, je vous laisse lire. Ok. Attendez. Non, n'attendez plus. J'étais pourtant sûr que c'était de la boue, mais en fait c'est une boue explosive, je pensais que c'était de la pâte explosive. Grave erreur, Zinedine, grave erreur. Ok, on continue de monter. Bon, Pento c'est le ref, hein. Posé, je suis sous Jack dans mon Pento. Hein. Utiliser nouvelle mon musique. Pour suivre la piste de Pento. Ce sont sûrement les traces de Pento. J'espère que je vais pouvoir le rattraper. Très bien. On dirait que l'avalanche a détruit une grande partie de la piste. Oh, sculpture antique. Insane. Okay. Le soldat disparu a dû monter par ici. C'est les quêtes annexes sont vraiment bien fournies, hein. Un bonheur, hein. Un bonheur. Pento est passé par là. La piste a dû s'effondrer après son passage. Je peux peut-être passer en plein. J'arrive. Attendez. Appuyez sur rond.
sans toucher les sticks pour sauter en arrière. Ok. Je devrais pouvoir retrouver la piste de Pento. Quoi ? Pardon ? Il y a un bail chelou là, frère. Il se passe des bails chelous là, hein ? J'espère que c'est Pento. On dirait qu'il a besoin d'un coup de main. Ok. Qui va là? Une amie. Ok. Tenez, les gars, ça, c'est Bibi qui régale. Esprit. Wesh! Ok, toi, mon pote, Spri! Hop, ça c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Suivant. Oh le con! Belle attaque, je te respecte pour ça, mais t'es mort. Ok. Allez, ça dégage. Bon! Bah voilà. Bah voilà, plus de peur que de mal, j'ai envie de vous dire, n'est-ce pas? J'ai des trucs bizarres autour de moi. Je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression d'être manipulé. Si je bouge, je remonte pas. Ok. Alors mon ref. Pento. On se connaît. Uekata m'envoie. On doit redescendre de cette montagne, vite. Non. Je refuse qu'on me voie comme un raté. J'irai chercher cette fleur coûte que coûte. Écoute. Je sais ce que ça fait quand ta propre tribu te rejette, mais... Alors tu comprends pourquoi je dois atteindre le sommet de cette montagne, ou mourir en route. Oh, il a l'air adorable, Bibi. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Cette escalade est censée se faire en équipe de deux, non? Faisons équipe. Alors je te suis. Viens, ça va t'aider. On dirait que la piste continue par ici. Un frère. Petite baie des femmes. Tu connais mon nom? Mais je ne crois pas que tu m'aies dit le tien. C'est... Aloy. Tu es certaine de vouloir t'associer au plus gros raté du rempart, Aloy? Je préfère me faire ma propre idée des gens que je rencontre. Tu sais, tout le monde... C'était quoi? Je sais pas. Oh l'eau. Bon, attendez, les problèmes arrivent. Une impasse. Il reste un piton d'escalade de la piste d'origine. C'était incroyable. Je vous laisse lire vite fait et on reprend tout de suite notre histoire. Je vais abattre cet arbre pour que tu puisses passer. Juste avant, on va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Deux grandes potions de santé. Très bien. Il faut que j'abatte quoi, ça? Escalader la montagne. Ah, poussière. C'était bien celui-ci. Des fois, je veux dire, j'ai un peu compliqué. Attention, Pento, ça tombe.
Et ben voilà. Alors. Alors. Comment on va faire? Sûrement comme ça. Ok, petite fleur. Tu as du bon matériel d'escalade. Merci. Il va falloir grimper. Ok. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit juste du vent. On y est presque. Et voilà. J'arrive pas à croire qu'on y soit arrivé. Allons jusqu'au sommet maintenant. Ça sent pas bon ça. Ça sent pas bon du tout ça. Je connais. Et je peux vous dire que ça sent pas bon. Voilà. Désolé, je devais vérifier un truc. Il faut des munitions. Tu disais quelque chose avant mon départ. Une griffe de gel. On avait bien besoin. Je peux la faire. Allez. Bon. Yep. C'est quoi ça? C'est un ours, frère. It's a grizzly. Oh, il m'éclate la gueule. Ok. Oh, les problèmes. La vache, ça c'est pas. Ça, je vous permets pas. Pour la plaine. Ces conneries. Ça va être très long ce combat, ça va être très très long encore. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. L'anime, ça fait plaisir, mais attendez, là c'est bon, ça avait bugué, ça l'avait pas fait, ça, ça. C'est un grizzly, je confirme, la barre est unanime. Oh, mon voit ces trucs qu'on voit dans la gueule. Plaisir. Allez, renfort. Ok. On va laisser ces machines se mettre. Attends, frérot. Aide-moi déjà. Aide-moi. Pop, 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 pop. Je m'attendais un petit peu plus fort, moi.
c'est terrible hein, ce qui se passe. Hein. Ça devient dur là. Le mode difficile, je vous avoue, depuis quelques épisodes, je le ressens. La vache. Quelle triste vie, quelle triste histoire. Allez, t'es mort mon pote. Si tout va bien, let's go. Putain. Allez, par ici à l'œil. La vache. Attends. Attends, attends mon ref, fais pas le fou toi aussi. Ok, j'ai eu quoi? Un œil de métal antique, ah, super. C'est la fête par ici. C'est la fête dans mon slip. Terrible. Terrible. Terrible, 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 terrible. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Peut-être ça, je sais même pas c'est quoi. Là, on a des petites herbes, des petites baies. Très important. Ça devient dur, hein. Là, je vous avoue, chers viewers, viewers, que je commence à sentir le mode difficile, hein. Bon, je l'ai senti dès le début, parce que c'est vrai qu'on est mort plusieurs fois. Bon, là, on n'est pas mort une seule fois, on l'a fait du premier coup, mais c'était long. C'était long. Ok. Lui était déjà en haut, hein, il était pépouze, hein. Il fait « je te suis », lui, il a compris le business. Il s'est dit « on se mouille pas, let's go ». La tempête, elle se calme. Bon, ça fait quoi de monter en grade? Beaucoup de bien pour tout te dire. C'est exceptionnel pour moi. Tu sais, même si tu reviens avec ça, ils te traiteront peut-être pas différemment. Franchement, je crois que j'avais juste besoin de me prouver que j'en étais capable. Si tu redescends, dis aux autres que je vais bien. J'aimerais rester un moment si ça te va. J'arrive tout de suite. Bien sûr. Merci. Je peux rejoindre le pied de la montagne plus vite avec mon aile. Y'a rien à péter là ? Tout en profitant d'une bonne vue. Allez. Bon bah voilà, belle mission les potes. Belle, belle, belle mission. Oh là là. Si paisible maintenant. Tellement beau. Tellement beau, matez ça, bordel. C'est quand même tellement stylé ce jeu. Hein. Petit moment d'alcalmie après grosse dinguerie. On a affronté deux boss, l'un après l'autre. Et je vous avoue qu'on en a pris plein la gueule. Ça fait du bien aussi de voir un peu de paysage là, tu vois. Voir un peu de paysage et pas s'affronter la gueule. Tiens, on va rentrer dans la brume. Pas se casser les chicots. Quel bonheur, ça c'est tout le chemin parcouru pour se faire taper par un grizzle. Je devrais bientôt être en bas de la piste. Bento ne devrait pas être loin derrière. Et ben voilà. Le frérot Bento. Long vol plané réussi. Oh, il y avait un trophée. Tu as retrouvé Bento, étrangère? Il s'est fait tuer, n'est-ce pas? Aloy, tu reviens seul? Où est-il? Est-ce que mon frère... Tu ne devrais pas pleurer comme ça, Jekka. Tu es la sœur d'un vrai soldat maintenant. Bento ! Voici la crête de sang, pour preuve de mon voyage. Avec ma bénédiction, tu rejoins nos rangs. Puisses-tu trouver ton chemin sur les ailes des Dix. Non, mais c'est une blague ou quoi ? Lui ? Un soldat ? S'il te plaît. Fleur ou pas fleur, on sait tous qu'il ne sera jamais bon à rien à part nettoyer la merde des autres. Oh, le coup de tête. Plus rien à ajouter.
Dieu vous mette de la neige dessus, Roxanne. Merci de m'avoir sauvé la vie. Lorsque j'aurai ma marque de soldat, je pourrai peut-être combattre à tes côtés. Donne-moi une chance de te rendre l'appareil. Il est mignon. Vas-y, je te rejoindrai. Tiens, en souvenir de notre ascension, puissent les 10 toujours t'accorder la victoire, Aloy. Nous nous reverrons, Pento. Oh, niveau 20! J'ai des flocons dans les cils. C'est insane! 2 points de compétence, plus que 1 point, et on a un truc incroyable. Au niveau max, on a une peinture de visage aussi, niveau superius. Et encore 2, incroyable. Incroyable, les amis. Pour la peine, on va aller là. On va pas se prendre la tête. C'est ouf, c'est juste ici en dessous. Wow, on s'est régalé, quel bonheur. Voilà, on va juste en dessous au calme. Attends. On a eu chaud, hein? Ok. On save. Petit déplacement rapide. Déjà une petite sauvegarde manuelle quand même, hein, pour souffler un petit peu. On va se rendre à la quête principale et on va pouvoir d'ores et déjà s'arrêter là. Ça va super vite quand on se fait démonter la gueule. Eh bien, écoutez, direction ici même. Tout simplement, et dans un point de compétence, on va pouvoir déverrouiller le truc d'électricité avec sa range maximum, notre petite ulti. Et ça, ça va vraiment faire du bien, je peux vous le dire. Alors ça, on peut s'en faire encore. Toujours se faire un petit pleasures. On peut s'en faire enfin. Incroyable. Qui le cru ? Le chef Écaro et le maréchal Cotalo t'attendent. Se rendre au bosquet de la mémoire. Les amis, est-ce qu'on enclenche la cinématique? Allez, on a le temps. Ça va peut-être pas durer 8 ans. Je ne sais pas. Let's go. C'était le par route ne devrait plus tarder. Ensuite, je pourrais accéder à la salle qui se trouve sous le trône des carreaux. Et à Ether. Allez, c'était ici. Petite cinématique des familles, let's go. Ça doit mener à l'arène. Ok. Hop, 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 hop. Ça, j'ai jamais fait ça, bichette. Je vous laisse lire, évidemment. C'est bizarre, ça me dit rien cet endroit là-haut. Étrange. Vous avez dit étrange. C'est une autre partie des ruines. Ils en ont fait une arène de combat. Ok, hop, je leur casse le coffre devant eux, rien à péter. C'est Bibi qui décide. Pardon. Ça pourrait m'être utile. Pardon, 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 pardon. Pardon. Ok. Ok, ok, ok. Très bien. Eh bien, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là, en vrai. Hein. On va pouvoir s'arrêter là. Je commence à avoir une armure sympa. Écoutez, on va se diriger vers... c'est quoi? C'était l'établi? Je sais plus. Je crois que c'était l'établi qui nous permettait de mettre une magnifique bobine et par la même occasion sauvegarder. On va à une établi. On n'est pas des crevards, on n'est pas une minute près. On va se mettre étrangère, une petite bobine. Le chef t'attend dans l'arène. Je sais. Bah, il va attendre encore hein, la bibiche parce que c'est la fin de l'épisode. Et après, on pourra directement avancer, évidemment. Où est la sortie, bordel de merde? Voilà. Et on pourra avancer. Incroyable, cette petite tenue des familles, là. Ça fait plaisir, ça régale. Vous en pensez quoi, vous?
Bougez pas, hein. Où c'est qu'on a un établi par ici? Hop. Déplacement gratuit. Où avons-nous un établi? Là, je crois. Votre réserve établie. Allez, let's go. Voyager. On est bon. Petit établi comme ça, entre les deux chemins. On va s'améliorer ça, on va se bobiner tout ça. Bonsoir. Où est mon établi? Oui, c'est eux qui se battent sans cesse. Jusqu'à ce que la mort les sépare. Amélioration d'armes, non. Amélioration de sac, non. Amélioration de tenue. Ça, en vrai, on peut déjà augmenter. Cool, très très cool. Voilà. Et il me manque des tissus de galop-griffes, etc. etc. Créer une tâche. Voulez-vous que ça devienne votre quête active? Non. Non, non, non. Et là, comment on fait, les potes? Déjà, quelqu'un se souvient? Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Je ne me souviens pas du tout comment... Ça, c'est terrible, hein, vraiment. Hein, c'est très stressant hein, d'être... Attends. Je crois que c'était modifier les tissus. Oh, putain. C'est débile. C'est moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre ça, non? Augmente votre défense contre les dégâts rapprochés, c'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Sinon, il y a ça. Pas mal? Pas mal, pas mal. Et sinon, niveau arme, étant donné qu'on a... On peut faire modifier les bobines. Et on peut mettre... Augmente la vitesse de rechargement d'une arme. Alors attendez, parce que peut-être que mon arme de base, ça peut être très très fort aussi. Et ça en vrai... Augmente les dégâts de gel, ça peut être incroyable. Let's go. Eh ben écoutez, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Passez une bonne soirée. Bye bye.